In southern Morocco, this is women's work. They're shelling argan nuts, getting ready to extract the oil. The women of Tamanar have been doing this for centuries. But these women are working together, for themselves, in rural Morocco's first all-women cooperative. It's changing their town. It's changing their lives. In traditional Berber culture, women don't work outside the home. They're not allowed to go to market. They're rarely seen in public, in Morocco's city. Direction un laboratoire de rabat à 600 km de la coopérative. Ici, Zoubida et des équipes de chercheurs collaborent sur différentes études avec un objectif commun: vérifier par la science les bienfaits de l'huile d'argan. Alors, l'huile d'argan est utilisée en médecine traditionnelle pour la peau, pour l'hydratation de la peau, pour prévenir les rides, pour prévenir la maladie cardiovasculaire, pour la cicatrisation de la varicelle, de l'acné juvénile, du rhumatisme. Donc il y a un certain nombre de vertus qui ont été confirmées par les sciences exactes et d'autres qui sont en cours par les chercheurs. Depuis plus de 2 ans, un sujet particulier intéresse l'équipe de Zoubida Charoff: les effets de l'huile d'argan sur les femmes ménopausées. Tout a débuté par un constat. Les femmes du sud-ouest marocain qui utilisent traditionnellement cette huile dans leur alimentation ou comme soin hydratant pour leur peau sembleraient ne pas développer certains symptômes liés généralement à la ménopause. Après une étude comparative sur plus de 150 femmes, les analyses de sang ont révélé leurs premiers résultats. Les femmes ayant bu de l'huile d'argan pendant 2 mois ont un apport en vitamine A et E nettement plus important que celles ayant consommé de l'huile d'olive. Un premier bilan intéressant, car ces vitamines permettent notamment de prévenir un certain nombre de maladies, dont les maladies cardiovasculaires, auxquelles ces femmes sont plus sujettes. Après toutes ces années de recherche, la valorisation de l'arganier semble bien porter ses fruits. Entre le moment où on a commencé à travailler en 1996 à 2010, les surfaces reboisées de l'arganier ont été multipliées par 100. Ce qui prouve qu'on est bien sur la bonne voie, qu'il faut continuer à valoriser cet arbre aux yeux des populations locales pour qu'ils s'investissent d'une façon naturelle dans sa préservation. Aujourd'hui, grâce notamment à ces différents travaux, l'arganier reprend peu à peu ses droits dans la région.